Bon matin. Bon matin, bon matin. Bon matin, bon matin. Bon matin, bon matin. Bon matin, bon matin. Comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez? Moi, je me porte comme un charme. Écoute, avec ces chiens. Un état sport matinal. Bon matin, bon matin. Comment vous allez? Wake! Wake, wake, wake! La vie, la vie, la vie, la vie. La vie! La vie, la vie, la vie, la vie, oh. La vie! La vie, la vie, la vie, la vie, oh. La vie, c'est mon cœur, ton don, ton, 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 tout ça, c'est les rêves. Il y a un beau lever de soleil, maman, le soleil est beau de l'autre côté là-bas. Si j'étais là-bas, j'allais filmer le soleil là pour vous, mes chers fans. Maman, une star se lève le matin, cause avec ses fans. La paix. La paix ou la paix. Juste parce que, mais être star, c'est pas facile, hein. Il faut que quelqu'un s'occupe de tes messages. Parce que bon, moi je mets des statuts même WhatsApp, les gens comment, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Oh là là, comment je vais faire? Mon community manager, franchement, il faut que tu commences à répondre à tout le monde. Hein. Je vais te donner même mon WhatsApp personnel parce que voilà, ça dégouline de partout. Comment je vais faire? Je peux pas m'en sortir, frère. Je peux pas, c'est trop. It's too much. I don't know what I'm gonna do. I don't know what I'm gonna do. I don't know. It's too much, you know. It's too much, I'm telling you. Hey! Opa Lilo, Opa Lilo. Bonjour Mila, oh, bonjour tout le monde. Oh, oh, oh. Je suis arrêté ici, là, les mains sur la bouche. Hein? Tout ça là, c'est comme ça qu'on fait. Pour tuer quelqu'un, c'est pas facile. Pour finir avec quelqu'un, c'est pas trop difficile. On monte quelque chose, on met sur toi, on manipule, on tourne, on programme, on fait la trajectoire. La paix, oh, la paix est bien. La paix est bien. Oui, 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 oui. Et les personnes font les trucs et coupent les vidéos. Je remercie et je dis bravo à tous. Et ils suppriment les vidéos. Je remercie et je dis bravo à tous les coupeurs de vidéos, mes collègues coupeurs de vidéos. Vous m'avez suivi, c'est moi qui vous ai montré qu'on coupe les vidéos, on poste. Voilà. Tout le monde coupe. Tout le monde coupe. Coupez, coupons-nous les vidéos vivantes. Oui, coupez, coupez-moi, hein. Coupez les parties où je suis même bizarre, coupez. Je suis rarement bizarre, en fait. C'est-à-dire, dans mes expressions et dans mes propos, c'est-à-dire, je dérape très rarement. Parce que, bon, voilà, j'ai une éducation, j'ai des valeurs. Écoute, hein, je dois suivre un certain nombre de... Voilà, je suis quand même... Voilà, j'ai du civisme. Voilà, de savoir-vivre, j'en ai. J'ai pas mal de petites choses que j'ai appris dans ma tendre enfance. Écoute, mes parents, mes tuteurs, écoute, ils ont fait du beau travail. Voilà. Bon, c'est sûr que je dis ce que je pense. Je ne couvre pas des choses bizarres comme le trafic d'influence que machin est en train de faire avec Valérie Amougou. Voilà, je ne couvre pas ça. Je déclare, je le dis haut et fort. Je crie même, voilà. Je sais que dans les réponses sur Facebook, les gens ont peur.
D'autres personnes vont facilement répondre à la reine Mère, d'autres auront peur. D'autres vont facilement répondre à Ngoï Satan comme moi, mais d'autres auront peur. D'autres vont facilement faire savoir à Machan et à Valérie Amougou qu'elles ont d'aime et d'autres auront peur. Voilà. Comme moi, j'ai dit à Lolo la partie que si c'est vrai qu'elle a demandé 300, c'est mauvais. J'ai pas peur. J'ai dit, si elle n'est pas contente, elle est contente. Ça ne me dérange pas. J'ai dit, on est dans Facebook. Il faut voir là où le maillon baisse. Il faut dire ce qu'on pense. Si maintenant c'est choquant et que c'est si, ah, si les fans se fâchent, ils m'insultent, ah. Moi, quoi dedans? Depuis qu'on m'insulte, ça change quoi? Je dis seulement ce que je pense. C'est-à-dire condition sine qua non. Mais ce que nous, on assiste à un trafic d'influence. Et Machan dit qu'elle va sortir dans le direct chez Flore. Le but de sortir de Machan, c'est quoi? C'est pour prouver que ce qu'elle dit sur Lolo est vrai. Et même si ce qu'elle dit sur Lolo est vrai, ça nous fait quoi? Et même si ce qu'elle dit sur Lolo est faux, ça nous fait quoi, en fait? Moi, je ne comprends pas. Une amitié d'une manipulatrice. Et ça, gourou, parce qu'il faut le dire, ça veut dire que Lolo a fait parfois des tétutesses pour se trouver aux endroits où Machan ne voulait pas. Parfois aussi, elle tempérait, elle obéissait. Et dans les audios, nous entendons comment elle dit que quand je vais te voir, je vais te taper, je vais te saisir, on va nous voir, on va nous entendre. Et que c'était déjà quoi? C'est-à-dire que quand tu es amoureuse, tu fais la jalousie à ton chéri, tu dis, ouais, mon chéri, je ne veux pas que tu sortes, je ne veux pas que ceci. Tu es jeune, tu es belle, tu es ceci. Et la paix. L'affaire, c'est simple. Pardon. Faut me dire, parce que nous, on est nous se mettant, on voit nos icônes, nos divas de musique. On les aime. Quand elles nous approchent, on se sent aimé. On se dit, bon, moi, je cause avec les icônes. Mais c'est pour aller un peu dans les choses compliquées ou bien c'est pour être normal, je ne sais pas. Parce que moi, je vous dis ici sur Facebook, je n'ai peur de personne. C'est le respect qui me lie avec les gens. Et comme les affaires nous trouvent sur Facebook, pour déduire ou analyser, je peux venir analyser sur Facebook. Dans le respect, bien sûr. C'est comme ça que l'affaire de la PDG des plantains est ici sur Facebook. Elle a volé l'argent. Il y a quelqu'un qui a écrit sur mon mur qu'elle a pris 4 000 euros, c'est 4 000 $, et qui va venir parler Nino quelque chose. Nico, mon inbox est ouvert, écarté comme ça. Mon inbox, je lance un direct ce samedi, spécial arnaque escroquerie de la PDG des plantes. Parce que vous racontez que, je suis en train d'expliquer, tu me dis que le mari, on parle du mari. Le mari, il est là-bas, il dort. Il ronfle même, propre. Moi, je suis en train d'aller au travail, ça ne chauffe pas. Et je rentre le soir, je trouve mon chéri. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que même s'il n'est pas dans ma vie, j'aurai un autre. Elle-même d'abord, avant de venir au Canada, elle a fait comment? Je vous ai raconté tout ça hier. Donc c'est pour vous dire qu'ici sur Meta, je suis la femme qui a mis en mes semblables le vouloir, l'engouement, la dièse, le taper. C'est-à-dire que la franchise, l'honnêteté, je tape sec, je ne porte pas les gants. Dans le respect, dans les règles de l'art. Et je ne dis que la vérité, je n'invente pas. Si je mens, venez me donner le contre-information. Vous avez passé le temps à mentir sur les vies des gens, inventer les choses sur les vies des gens. Moi, je ne fais pas ça. Ma vie, même, vous pleurez ma vie, vous pleurez ma stabilité matrimoniale, vous pleurez toutes mes choses. Parce qu'on n'a pas les mêmes vies, on n'est même pas dans les mêmes couloirs. Mais moi, je m'en fous, je vais vous traiter, vous régler sur mes temps. Vous allez rester, dire qu'il y a une femme là. Elle est venue, elle nous a fait ça. Ça dit qu'elle est sans vaseline. Je ne porte pas les gants. Voilà la PDG des plantains que Ngoï est venue déposer ici le 12 août. Ici sur Facebook, j'ai repartagé la vidéo, j'ai même fait me remplir ça, j'ai même remonté, j'ai dansé même sur ça. Mais elle vient aujourd'hui, c'est moi. Parce que j'ai vu le poste de Prisca, la classe, c'est Prestige, la classe ton colon. Et je suis venu parler. Oh, elle dit que maman faut, t'as déposé le 12 août. Et honte. Si l'entourage de Ndjongo dans le vieux Longoï pourri là, les gens qui la connaissent, pardon, dites-lui la vérité, qui est venu la déposer sur Facebook? Donc vous pensez qu'en faisant ça, vous allez faire quoi? Vous allez museler les gens, vous allez fermer les bouches des gens. Ton versement est dehors depuis. C'est d'abord ta BS perdue et retrouvée. D'abord, le mari t'abandonne. Tu dis que la fille est où ta BS? Comment c'est ex-BS ou bien ex-BS? Mais ce n'est plus ta BS. Tu n'es plus avec lui. Mon ami t'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Il me l'a dit et il m'a donné les raisons. Petite, ça profite. Tu as appelé la police sur lui ici. Tu as appelé l'immigration. Tu lui as porté plainte. Et tu voulais qu'il te donne l'argent des enfants. Au départ, il te donnait un peu. Tu as dit que c'est petit. Je t'avais même dit qu'il fallait prendre. Tu commandais à gérer un peu. Tu as refusé, tu voulais qu'il ne travaille même pas, il doit te donner l'argent. Le mari est dans la maison, mes chers frères et soeurs, il paie le travail. Il ne travaille pas. Elle dit qu'il doit payer la maison, même avec ses ongles. Hey! On peut payer la maison avec les ongles. Le mariage, c'est qu'on se serre les coudes, on se supporte pour le meilleur et le pire. Si le pire arrive, ton mari perd son travail ou sa femme perd, ta femme perd son travail, tu couvres ce que tu peux couvrir. Et on avance. Parce qu'à un moment, si l'argent va venir, on va se couvrir. Regardez-moi une sapate. D'abord, la façon que tu as quitté le pays, c'est-à-dire le hold-up du mariage. Tu as fait le hold-up, Ndjongo. Tu as quitté le pays, tu as atterri au Canada sans informer le gars. Limite. Si je mens, on va aux archives du dossier là. Je mens, on va aux archives de ton entrée au Canada. Tu parles à qui? Tu as venu avec ton premier garçon là. Vous êtes entré ici en solo.
Tu es une grand-mère, tu as les enfants, ton premier garçon t'a lavé les petits, tu dois te comporter comme une grand-mère, tu es sur la toile comme un babouin en train d'insulter les gens. Jusqu'à tu dis que je suis, mes parents sont des animaux. Va ta mère qui est ta corvée là-bas, j'ai dit que tu Wakang, je t'amoine. Tu vas dire que tu vas traîner ça comme tu vas traîner là. Regarde-moi quelqu'un. Et puis moi je vais te répondre, tu vois quoi que j'ai peur de toi. Je te réponds, j'appelle ton nom, ça te choque, toi tu me portes, puis on va aller devant. Je suis un imbécile. Si madame Jacques, on dit ne prononcez pas le nom, si elle prononce ton nom, ça fait quoi? C'est toi qui m'attaques, on te voit bien assise en train de m'attaquer. Regarde-moi quelqu'un. Tu as fait une page spécialement pour est-ce que ma page est centrée sur toi? Tu sais ce qui m'a amené sur Facebook? C'est pas comme les gens qui sont venus sur Facebook chercher les vues. Hein. Moi, je suis d'abord venu sur Facebook pour me défendre. Je suis d'abord venu sur Facebook pour promouvoir mes affaires, pour parler de mes ONG, pour parler de mes trucs. Vous comprenez un peu ça? Hein? Vous comprenez avec quoi? Regardez-moi ça. Moi-même, d'autres types de jeunes, je me dis donc. Ah, parlez-le. Chez nous, là. Vous venez sur Meta, vous voulez faire le trafic d'influence, vous voulez déposer les. Vous pensez que là, on a dit qu'on va ouvrir les directs d'Oshigaki, t'insulte. Je dis que moi, quand on m'insulte, je dis à ma crème de crème, s'il vous plaît, je vous demande un travail. S'il vous plaît, je suis à genoux. Je ne demande pas les étoiles, je ne demande pas les litis, mais le travail que vous pouvez me faire, 3 minutes de ce qu'on m'insulte, quand je recadre ça bien, je pose sur mon mur. Si ça fait 10 dollars, vous venez de m'aider avec 10 dollars, j'applaudis grandement. Donc moi, je fais ma part, vous faites votre part, c'est tout. Mais j'ai pas le temps de me promener pour tout voir. Même si c'est le fou, il m'insulte, vous m'envoyez. Il ne m'insulte pas, vous m'envoyez. Quelque chose que vous voyez, que je vais un peu faire que l'arrêt de mes bureaux. Écoute ça, j'ai dit, maman, mon élite de mes temps, ils ne sont pas nombreux. Même si c'est 4 personnes, vous m'envoyez, recoupe ça, Germain. Parce que j'ai honte de quoi? Une femme assise, mon ami, stabilité notoire, baignée en arrivant, baignée en partant. Que Dieu a dit que toi, là, t'as pas là, non? C'est seulement exceptionnel. Tout le monde est dépassé, papa, là, Noé. Parlez de quoi? Si ma vie, ici, là. Je vous dis. Les gens essayent de prier, de jeûner, de rêver, de je ne sais pas quoi. Rien ne change. La paix est bien. Mais quand ça vous dépend, vous allez partir à Paris, puis les petits zizi, les quelqu'un. Tout pour vous, c'est toujours là-bas en bas. Pensez que ma tête est connectée sur ça. Je ne suis pas connecté avec les choses là. Moi, je suis au devant. Ça veut dire qu'une tête pensante. Ça veut dire que quand je ferme, ça veut dire que je ferme mes yeux, j'ouvre, je sens que des pensées. Quand tu m'appelles ma mère pour telle chose, je suis dit, papa, Léa, c'est là. Ça veut dire que j'actionne la manivelle. C'est sérieux. Bande de vieilles chouettes, les filles de bas quartier qui ont fini l'école en 5e, 4e, elles viennent me parler. Elles étaient seulement en train de courir derrière les petits trucs au quartier. C'est pour ça que c'est ça, on dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche. C'est ce qui peut sortir dans vos bouches. Tout ça, c'est ce que les gens me demandent. Les gens me demandent que tu as fait comment pour croiser ces gens-là. Toi, tu es d'abord une petite opportuniste arrivée sur Jomwe. Tu as fait l'effort pour devenir star. Ça ne donne pas. Ça ne peut pas donner. Il y a les gens comme ça, ça dit que ça ne donne pas. Même si tu fais comment, tu ne peux pas. Qui va te calculer? L'autre jour, on dit que tu as dit qu'il fallait qu'on te paye le billet d'avion. Ou c'est qu'on t'aide à faire quoi pour que tu quoi. Maman. Moi, je suis coach événement. C'est-à-dire, quand on me prend, je pense l'événement. Je dirige l'événement. Je couvre même les cacas de ça. Je me pose sur ça comme ça. Comme, mais tu parles de quoi? Comme une I'm a niggle. Je couvre ça avec mes ailes. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas le quack. Même quand il y a le quack, on couvre. On livre la marchandise. Vraiment, quelqu'un. Je suis parti pour chercher les petits. Donc je vais partir jusqu'à Paris parce que si je voulais les saletés, on ne peut pas trouver ça ici. Imbécile. Tu sais comment je suis servi chez moi? Petite peste. Vous n'avez pas la stabilité. Depuis combien d'années? 10 ans, le mari est parti. C'est l'instabilité notoire. Vous allez pleurer ma vie, épouser ma mort. C'est moi qui vous dis ça ici sur Facebook. J'ai dit pleurer ma vie, épouser ma mort. Je vous dis ça, Roha. Bande d'avortons, de mouches, de tâches, de bordé. Mais faire le trafic d'influence sur les réseaux. Pensez que vous allez venir vous asseoir et faire tout et n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Vos amitiés, si ça se gâte, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Mais arrêtez de manipuler les gens, de prendre les gens. Pour que... Moi, je suis en train de demander aux gens de venir nous dire ce que John va frapper pour que les gens crient sur eux. Ouh, voler avec le sifflet. Il faut que j'achète un sifflet pour la vie. Là. Non, sifflet, Noumi. Ncho. On va siffler sur elle. Tu es venu dire ça. Tu es venu dire aux gens que voilà, une voleuse, elle a frappé les gens. Venons crier sur elle. Ouh! John voleur! Mataro voleur! Mambaku voleur! Mataro voleur! Mambaku voleur! John voleur! Anjo! Aïe, Mouni! Un gars est venu crier sur mon mur, Nico, whatever! Que c'est 4 000 euros. C'est euros ou dollars? Nico. Non, samedi, on fait le direct. Je ne peux pas accepter que l'argent qui est devenu. Vous savez que la goutte d'huile. Je vais vous dire un truc bête. La goutte d'huile que j'achetais à 16 dollars chez Costco. Quand je dis que 16, quand ça a augmenté, c'était 20, 24.
20, 24, maintenant c'est 48, presque 50 dollars. La goutte de 16 litres d'huile, je parle comme ça, ceux qui connaissent ici au Canada savent. J'achetais à 16 dollars canadiens. C'est devenu 50, combien 50, 48, 50, combien de dollars? La goutte d'huile, d'huile pour préparer là. Donc, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. C'est facile. J'ai dit que c'est pour vous dire que la vie est devenue chère. Il est hors de question. Si vous autoproclamez, je vais aider quelqu'un pour faire ceci. Si tu n'es pas capable, va. C'est-à-dire que dégage et rembourse les protagonistes. Tu m'as dit que j'ai frappé une femme. Elle m'a appelé, je l'ai insulté. Je n'ai pas en mémoire d'avoir frappé une femme pour une soirée. Ma chérie dit à la femme là de venir ici avec sa lettre. Que j'ai dit qu'elle est crédit, on signe. Et quand elle est venue demander, je l'ai insulté. J'ai l'éducation, j'ai les valeurs. Donc même si quelqu'un va me demander que je ne vais pas l'insulter, je ne suis pas élevé dans une république de bananes, dans la carrière pourrie là. La carrière pourrie, il y a les lampes torches là. Les lampes tempêtes où tu habitais là, je ne suis pas élevé là-bas. Même à Malaska, où la première maison que mon père a eue dans sa vie, c'était au camp cycle des fonctionnaires. Tu as compris, non? Il n'était pas dans le lobby où on gospe, tu viens là-bas, dans le tabac de Malaska. Il était dans le vrai côté de Malaska, tu as compris? Mais c'est dans mon masque, il y a même la barrière. C'est un mélange. Même ici au Canada, tu me vois où? Tu me vois marcher dans les maisons des gens? Et ici au Canada, partout au Ghana, les garçons, moi si. Tu es malade. Vous avez déjà tout fait. Vous avez tout fait. Vous cherchez maintenant la vidéo d'une femme qui va me ressembler. Vous voyez, dans une vidéo, la personne bouge. Je sais qu'on allait mettre ma tête sur ça. By force. Si dès qu'on va faire les montages animés, vous allez mettre ma tête qui s'anime. Pour que ça fasse comme si c'est moi. Hein? Feu matin. J'ai dit, hein? Feu matin. Vous avez compris, non? Regardez-moi ça. Maintenant, si comme ça ne suffit pas, la vieillotte, la mûre de dans ma chambre, vient s'asseoir sur ce Facebook, danser dans la danse des enfants. Tu connais l'âge de Lolo? Tu connais l'âge de Valéamou? Tu connais même l'âge de Ngoï? Toutes sont tes petites soeurs de loin. Comporte-toi, maman. Comporte-toi, belle femme. On t'a vu ici, belle femme, naturelle. Tu as même mis le jansan, même ton jansan n'a pas dérapé trop. Tu viens faire les choses que tu fais là comment? Tu fais même comment pour penser à ça? Le trafic d'influence, c'est condamné en France, hein? Moi, je vous dis ça, même ici au Canada, vous ne trafiquez pas l'influence des gens. Vous ne venez pas pousser les gens. Moi, je dis aux gens de venir dire ce qu'on les a volé. Je dis pas aux gens de venir inventer. Je ne dis pas aux gens de venir détruire. De venir crier, oh, pourquoi on parle d'eau? Oui, ce n'est pas le trafic d'influence, c'est leur juste et la vérité. Le français, là, mais vous comprenez ça comment? Je suis ma bouche, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter toutes vos choses. Là. Facebook n'est pas un endroit que vous allez venir faire les choses comme ça. Vous avez compris, non? Voilà. Pour nous, pour John Wayne, c'est sa patronne, sa tata, sa belle-sœur, sa je ne sais même pas, sa putanasse. Je l'appelle comme ça, parce que c'est une putanasse, une fille de joie. Voilà. C'est elle qui est venue déposer ça depuis le 12 août. C'est sur mon mur. Elle nous a dit que John Wayne a frappé l'immigration. Les gens veulent leur argent. Il faut que John Wayne rembourse. 12 août, nous sommes quelle date aujourd'hui? 27 octobre. Août, 12 août, 12 septembre, 12 octobre. Ça fait 2 mois. 2 mois et combien de jours? Et 2 mois et 2 semaines, donc 2 mois et demi que Ngoï Satan est venu nous déposer l'arnaque légendaire de Ndjom Ngoï qui s'est passé pour une consultante en immigration. Soit même la formation de consultante, elle ne peut pas faire. Parce que même la formation d'infirmière, elle n'a pas été capable de finir. Je m'en manque nous ton diplôme. Mouf! Les gens qui allaient à l'école en 4e, en 5e. Voilà, c'est Marie comme ça. Mon ami à Toronto, c'est toi qui as même fait ça. C'est comme celui qui a fait venir Ngoï. Vous prenez des racailles, des filles de bas quartier qui avaient les lampes tempêtes en plein centre de Yaoundé. Vous les amenez en Ben. Mais elle vient nous pourrir. Elle vient nous pourrir la communauté comme ça. Tous les gens qui ont posé, comme le Boumkena. Boumkena sort de Bepanda Yon Yon. Pas de lumière, pas de ceci. Maison, carabote, souffrance, souffreteuse. Matelas même épaisseur de 2 mm, pipi sur ça jusqu'à. Elle porte, elle vient nous trouver en France. C'est des gens comme ça. Parce que leur cerveau, pas réglé, elles sont venues nous trouver avec. On fait comment? On nous voit, on commence à dire que les Camerounaises, à cause d'eux. À cause des gens comme ça. Vous les portez, vous faites le beau ça. Vous partez marier les ordures, vous les amenez ici. Voilà. Voilà là où on est. Elle dit qu'une femme mariée, tu ne dors pas. Je dors, je ronfle. Je dis que, oh, il faut approcher ma chambre. Je ronfle jusqu'à le feu sort. Ça ne chauffe même pas. Et je vous réponds propre. Et mon mariage ne souffre de rien. Parce que vous avez cru. Vous avez cru que comme elle est mariée, on va l'insulter. Elle va se taire parce qu'elle ne pourra pas répondre. Parce qu'en tant que femme mariée, on va dire que et qui est où son mari va la ramasser. Mof. Mon mari ne me muselle pas. Il ne me muselle pas. Ok? Et d'ailleurs, je vous dis déjà, que vous lave propre. Vous pouvez mettre l'argent sur ça.
Je remercie mon élite de méta, ma crème des crèmes qui me coupe les vidéos de 2 minutes, 4 minutes quand je n'ai pas le temps. Il m'envoie et je dépose sur Facebook. C'est le cadeau que vous donnez à votre star. Vous voyez une star, le seul cadeau qu'elle demande à ses fans, c'est de couper les petits shows, lui donner. Avant qu'elle ajoute sur ses directs, avant qu'elle ajoute sur ce qu'elle veut programmer d'être vraiment, de faire vraiment en création par rapport à parapotage. Elle vient dire que tu es venu créer l'agence matrimoniale. Tu as quoi dans ta vie? J'ai le fruit de l'esprit. Je suis une femme terriblement mariée, terriblement assise. Quand j'ouvre ma bouche, c'est la bénédiction. Oui, ce qui sort de ma bouche, c'est bénédiction. Et il faut être bénédiction pour bénir. Voilà. J'ai le fruit de l'esprit dans ma vie. Vous, rien. Vous pouvez parler de quoi? De quoi? Hein? Et puis, la chance, la malchance que vous avez, c'est que Mittelhoff n'est pas au carrefour. C'est pas que tous les matins, on se lève, on ouvre Mittelhoff sur Facebook. Vous avez fait comment? Vous avez fait comment pour venir vous mettre au milieu de ça? Ça peut pas. Vous n'avez aucune idée de par où que ça passe. Ça vous a passé comme ça sur la bouche. Et vous, payez-vous. Mais lève le matin au lieu de dire bonjour mes fans. Comment vous allez? Comment va votre vendredi? Moi ce soir, je vais avoir, un bon temps en famille. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire ce soir à la maison? Voilà. Je vais me mettre bien. Voilà. Avec ma famille. Ce soir, c'est ce que je vais faire. Au lieu de jaser des choses comme ça, il y a un la paix. La paix. Vous comprenez quoi? J'ai dit que la paix. Me lève ce soir, c'est pour avoir du bon temps en famille, avec mon monde. Voilà. Je vais avoir du bon temps. C'est ce que je vais faire ce soir. Vous, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais moi, ce soir, c'est ce que je vais faire. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc voilà, moi je suis arrivée au travail, encore des places. Il fait pas froid ces temps-ci, c'est bizarre, je vous jure. C'est un genre comme si on se demande même que l'hiver s'il va être comment. On fait comme ça, l'hiver finit au Canada comme l'amusement. Hein. Les gens qui m'ont écrit pour avoir les renseignements des bons consultants, des trucs en immigration, que je sais qu'ils font leur travail, ils ont à cœur leur travail. Pardon, je vais vous répondre. C'est parce qu'une journée de 24 heures n'est pas assez pour votre star. Je me garde ici, non. Bien. Je ne vais pas passer par derrière. Je me garde où? Non. Oui, comme ça. Non. Comme ça, c'est bon. Je pourrais passer dans cette clôture. J'ai dit oh. Je vais passer par cette porte ici. Les gens qui m'ont contacté, vous voyez? Ou bien? Non. Je vais passer par l'entrée principale. Les gens qui m'ont contacté, vous voyez? Pour me parler de... Comment on appelle ça? Pour leur truc de consultant en immigration, vraiment, excusez-moi, je suis très occupée, vous voyez. Une journée de 24 heures n'est jamais assez pour votre star, vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, je ne sais pas, là, je ne sais pas comment faire. Je vais un peu regarder les commentaires, j'ai pris mes lunettes de lecture parce que j'ai pas mal de choses à gérer aujourd'hui avec la lecture. Alors, c'est la maman, la femme terriblement mariée. Que les vieilles chouettes qu'aucun homme ne veut assumer pleure sa stabilité. Voilà. Voilà, attendez, je mets les lunettes. Voilà. Oh là là, vous allez me mettre où? Vous allez faire comment pour renverser la femme si? Je dis la vérité, bien. Celui qui n'est pas content se désabonne. Et c'est bon, regardez les commentaires. Voilà, calmement. Bonjour. C'est les collègues qui arrivent, j'ai encore quelques minutes ici. Je vais essayer de regarder les commentaires. Bonjour, ma reine Merbio. Bonjour, ma chérie Mula. Bonjour. Nous disons non au trafic d'influence, Mula. Oui, merci pour les bips, Mula. Tu as bupé vraiment beaucoup de personnes. Vérité, merci beaucoup. Merci, Véronique. Mon bébé Véronique est là, j'espère. Bébé Véronique, j'ai trouvé le direct d'hier. La petite vidéo, 4-3 minutes d'hier. On ne t'insulte pas, ma soeur. Merci, mon bébé. Non, je dis dans le sens que ça se passe. La seule diva, c'est grâce des cas, merci. Coucou la reine Merbio, merci beaucoup. Oui, c'est sûr. Tu es quoi? Et ça ne chauffe pas. Tu es mot. Merci mon bébé. Quelqu'un écrit une langue bizarre. Pardon, oh. L'incassa, faut écrire ça chez Mboum Kena. Mon bébé Véronica, comment tu vas ma grande fille? Sandra Rose, je te salue. Merci, Djadja Tehe. Merci. Eve, je te salue, Eve. T'es pas épargnée, Sandra. Tu fais trop de sale dans le noir. Et qui est?
Ouais, Sandra a encore fait quoi? Sandra au 5K. Si tu écris un commentaire, sujet, verbe, compliment, elle ne comprend pas, elle va te ramasser. Elle a ramassé Mila. Mila n'avait pas fini sa phrase. Sandra a entré sur elle. Poum, un tour. Qui a provoqué la pub bio de ce moment? J'ai dit qu'elle ne sait pas comment provoquer. Je n'aime pas le trafic d'influence. On nous demande de nous taire. Ils veulent que quand on regarde les choses, on se tait. Comment on va se taire? Bravo, ma tante. Merci beaucoup, Germaine, ma nièce. Voler, on va faire le direct de ça. On va aussi se constituer en collectif. Oui, oui, le collectif va se mettre en place. Vous savez, on a fait une pétition pour Coco. Ça a fait trembler Ngoy. Ouais, que Ngoy est parti en furie. Elle n'est plus là que les enfants. On va envoyer les enfants. Elle laisse Coco faire sa vie. Coco est en train d'accoucher son autre enfant bientôt, là. Inch'Allah. Le reste, on s'en fout. Vous n'allez pas venir museler ou faire les trucs aux gens. On va vous laisser. Une fille de joie. Oui, c'est les filles de joie, dis donc. Les body, elles font l'industrie du body. Et la paix. Mais me parler. Moi-même, je veux venir vivre au Canada. Oui, oui, Sandra, tu peux venir. Le Canada ouvert. Maman, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays qui m'a tout donné. Et si tu es une personne battante, tu vas tout avoir. Moi-même, je n'ai même rien. Tu peux avoir même fois 10 que ce que j'ai. Tu comprends, non? Parce que le Canada, quelque part, j'ai la chair de poule. Alléluia. God bless Canada. On dit que bless America. God bless Canada. Un pays, c'est la magie. Maman, il faut répondre à la vieille chouette, là, la reine mère bio. Elle parle de Tom. Ah, car elle vaut. Même si on met mon ami qui est son mari, on met ma part est plus bon que pour elle. Ma part est plus beau que pour elle. Mon ami, hein, c'est mon ami. Lui-même, il donne allégeance à mon mari. C'est mon ami, son ex-mari. Oui. Vous avez vu, vous avez monté la vidéo avec lui. J'étais avec lui cet été. Ton mariage, on a fait notre selfie, on a posté sur Facebook. Pian. C'est mon ami. Il n'est pas ingénieur, il est professeur, il est enseignant. Qu'elle arrête de se pète-pète. Il a peut-être étudié en ingénierie, mais il est enseignant et il aime ça. Voilà. Terriblement, Marie, tu centre. Marie, le feu sort. Sandra est trop bipolaire, dis donc. Non, Sandra, c'est réaction épidémique. Je sais pas, hein. Mula écrivait un commentaire. Parce que c'est ce qu'elle m'écrit, sujet, verbe, complément. Ouais, les démarches à faire pour faire. Moi, je divorce. Elle ne peut rien me faire, Sandra, c'est que c'est vrai, elle est dans le trafic d'influence sur Lolo Reine Mère Bio. Oui, 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 c'est sûr. La Reine Mère Bio, attends, quelqu'un dit que tu veux divorcer, Sandra. Moi, c'est la maison qui me plaît au Canada. Les maisons, hein, oui, les maisons. Pas seulement les maisons, chérie. Est-ce qu'on porte les maisons, on marche avec le bien-être, l'éducation des enfants, même si les enfants sont déjà grands, la carrière professionnelle, voilà. C'est-à-dire aussi le système social, tu sais, comme l'hôpital, les soins de santé, les choses comme ça. Le Canada, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, je vous jure. Attendez un peu, je vais regarder quelque chose vite fait, là, sur mon horaire. Il y a tout ici, sauf ici, mais il faut être prêt pour la solitude, que personne n'en parle. Merci, mon frère Mike, dans Mike. Ça, c'est Mike, le procureur. Moi, je veux venir vivre au Canada. Mon grand frère Mike, dans Mike, c'est lui qui était le procureur quand Monsieur Propre faisait ses espèces de paix, là. Qui fait la paix, il va faire la paix sur métal, là. C'était le grand Mike, dans Mike, qui était le procureur. C'est mon grand frère d'amour, quelqu'un de c'est-à-dire un très bon cœur. Oui, qui a la solitude, ça c'est sûr. Même en France, il y a la solitude. Parce que les gens sont ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. L'hypocrisie est notoire là-bas. Donc, du coup, un peu partout en Occident, il y a la solitude. Mais il faut savoir meubler son temps. Il faut trouver comment aimer et meubler son temps. Un bordel comme toi, quel homme peut d'abord t'assumer? Ah, pourquoi tu insultes Sandra Rose? Peace, Lolo Mania. Sandra Rose va descendre sur toi. Sandra Rose est comme moi, elle n'a pas de team. Elle verse seulement pour elle, alors elle est. Ouais, c'est une mondiale. Asanda, on est mondiale. Monsieur Propre est un escroc. Un mauvais type. Quand il avait lancé ça, j'avais dit à mon grand frère Mike, donc Mike, que c'est les pète-pète. Ça ne va même pas arriver. Mon grand frère n'est plus. C'est procureur. C'est. Hey, pardon, la paix. Chez nous, là, quand vous ne pouvez même pas faire la paix sur Beta. Sylvie Tenia, je te salue, ma chérie. Le Canada, c'est la stabilité, le respect et le bien-être. C'est mon statut de réfugié en France qui me bloque encore. Ouais, Mama Yako, quand ça finit, tu viens. Même à n'importe quel âge, tu peux venir. Ça permet à tout le monde de se réaliser. J'adore le Canada. Et puis, assurez-vous, elle ne partez pas voir John Wesley, c'est une escrotte. Elle s'autoproclame consultante en immigration. Elle ne sait même pas comment expliquer aux gens les dossiers. Parce qu'elle a mis 200 personnes dans un groupe WhatsApp. Tout le monde a échoué le test de français. Là, il n'y a pas les intellectuels là-bas. Je sais qu'elle a pris les villageois de la carrière. Comme elle était à la carrière, elle dit, je peux vous faire venir. Je suis au Canada. Je suis au Canada. Ils ont venu. Elle a pris les dos. Tu... Puis elle vient me parler. Bon, excusez-moi, je regardais quelque chose. J'ai encore quelques minutes avec toi.
quelques 2 ou 3 minutes. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, c'était la maman de l'heure juste. Au trafic d'influence, nous allons faire une pétition. C'est que je suis, c'est ça. Non au trafic d'influence sur Meta. La communauté noire des réseaux sociaux refuse le trafic d'influence. Oui, les Camerounais des réseaux sociaux, on refuse ça. Les affaires que tout le monde vient, on veut parler quelque chose, on couvre quelqu'un. Voilà, PDG Ndjom Weke, Flore Magina Kenkam est venu déposer son anar depuis le 12 août. Mais c'est sur moi qu'elle s'assoit. Ça, c'est le trafic d'influence. Ça, c'est la manipulation. Ça, c'est s'adresser à la personne. Elle doit s'adresser à qui de droit? C'est Flore Magina Kenkam et, comment elle s'appelle? Et Prestige La Classe. C'est les deux gens qu'elle doit ramasser, pas moi. Mais elle vient m'insulter, moi. Vous pouvez accepter ça comment? Hein? Voler, mamie plantain, voler, mataro, voler, mbaku, voler, bonjour Lolo Gloria. Oh, j'ai beaucoup les Lolo Mania. Je salue les Lolo Mania. Je suivais ces directs sur l'immigration. Mon esprit n'a pas adhéré. Voilà. Elle s'assoit, elle fait un direct. Moi, je ne peux pas faire un direct sur l'immigration. Je suis honnête avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que l'immigration, c'est un truc abstrait. C'est un truc, je vais dire, c'est pas coulé. C'est pas quelque chose qui est un canevas. C'est pas droit. C'est comme ça, selon les cas. Tu vois, on va te dire un coup que, oh, c'est les intellectuels. Maintenant, on prend même les mécaniciens, les boulangers, les cuisiniers, les ceci. Donc, c'est compliqué. Mieux, hein, tu laisses ceux qui. Oui. Mieux tu laisses ceux qui sont capables, les autorités compétentes. Il y a les consultants en immigration, il y a les avocats en immigration. Mieux. Quand tu m'appelles, tu m'écris, je te donne le numéro de là où tu dois appeler pour faire ton immigration. C'est tout. Moi, je ne veux pas venir dire que donne ceci, envoie le formulaire de cela. Et elle a créé même le groupe WhatsApp, ils sont 200 dedans. Ouh, elle a mangé les gens au tweet. Il y a une là, c'était 1 500 000. Elle a envoyé 200 000. Elle dit que dans 6 mois, elle donne une autre partie. L'argent est parti où? Et quand elle vient ici à moi, elle soit à un endroit, elle prend les biens, elle arrête, elle se met debout, elle commence à faire comme ça. La paix. Sandra Rose, je vous aime. Bonne journée, c'est la maman. Peut-être je vais revenir, je vais regarder mon horaire. Si j'ai l'espace à mon horaire, je vous reviens. J'aime vous voir, j'aime vous parler. Vous êtes mon adrénaline. On a un échange, on a un contact, on est fusionnel. Je vous aime, ma crème de crème. Pardon, n'oubliez pas, 2 minutes, 4 minutes de vidéo, c'est le litchi que je vous demande. Moi, je n'ai pas besoin d'un autre genre de litchi. 2 minutes, 4 minutes de vidéo que vous savez que vous voulez que ça se relaie encore. Je prends seulement. Vous m'envoyez dans WhatsApp ou dans Inbox, je prends. Pour venir au Canada, ça ne coûte rien seul dans le site, sauf qu'il faut trouver le bon. Voilà. Le bon. Merci, mon père. Mais j'essaye de t'écrire. Pourquoi tu ne me réponds plus jamais? Ouais, mon bébé, je vais répondre. Sandra Rose, toute une vie bordelée. Et qui est? Ouais, pisse le Maya, laisse Sandra. Elle a dit dans 6 mois, si elle a volé. Bisous. Je vais travailler. Le travail est très important. C'est loin l'homme du vice, de l'ennui et du besoin. Allez travailler au pardon. Ne restez pas là, vous attendez que on va pardon. Allez chercher même pour vous, même si c'est pas 100 $. Tu n'avais pas ça quand tu te levais le matin. Va faire comme ça, tu prends ton 100 $. D'accord. Je vous aime.